ou non, mais c'est la première fois que Mercedes présente une classe C cabriolet, puisque avant elle s'appelait CLK. Alors cette classe C cabriolet est bien évidemment basée sur la classe C coupée, elle-même basée sur la classe C berline. Tout ça est une bonne nouvelle parce que ce sont d'excellents millésimes niveau motorisation. On démarre à 170 chevaux jusqu'à 367 chevaux pour la version AMG que vous pouvez voir juste derrière. La spécificité de cette classe C cabriolet, c'est d'avoir conservé une capote souple alors que sa concurrente BMW Série 4 a un toit rigide. Pour l'instant, on ne connaît pas les tarifs, on saura tout ça en avril. Alors esthétiquement, je continue de préférer quand même la classe C coupée parce que ce que je préfère esthétiquement, c'est cette ligne de toit plongeante qu'on perd évidemment avec le cabriolet.